Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la toute première partie de la peinture du Sherman M4A3. Donc j'ai décidé de faire des vidéos en plusieurs parties et dans cette première partie nous allons voir ensemble comment je réalise mes peintures de primeur en faisant un dégradé de lumière zénithale. Donc pour ça j'utilise du primeur de chez Valero et du blanc et du noir. On va faire donc nos éclaircies avec trois lumières différentes. Donc on va appliquer du noir en premier, du gris et un dernier éclairci en blanc. Alors moi personnellement, je prends pas de gris, je pourrais acheter un primeur gris. Mais en fait je préfère faire directement mes propres dégradés de couleurs avec du blanc et du noir. J'utilise aussi du diluant. Alors normalement c'est déjà prêt à l'emploi, mais malgré tout moi j'ajoute quand même un petit peu diluant parce que je suis pas forcément satisfait de la dilution de base des peintures primer. Après c'est un peu selon les goûts, moi personnellement je préfère les diluer un petit peu. Donc on va commencer par les roues. Pour commencer, je vais vous expliquer pour ceux qui veulent débuter, à peu près la dilution que je fais, parce que vu que je travaille au goutte à goutte, pour moi c'est plus pratique de vous expliquer en goutte à goutte. Donc là je suis parti sur 10 gouttes de noir pour une goutte de diluant. Donc ça paraît très peu, mais ça suffit largement. Donc là j'ai de la chance pour les roues, en tant que bon radin, les petits cure-dents ils se calent en dessous, donc pour moi ça va être très pratique de pouvoir peindre comme ça je peux tourner à 360 degrés et peindre comme il faut dans les coins. Donc j'ai remué avec un pinceau propre, surtout un pinceau qui est bien propre pour bien homogénéiser la peinture. Et je commence à appliquer ma couleur de primer noir. Alors aussi, je voulais vous dire pour les aiguilles, la taille des aiguilles. Alors moi j'ai une habitude, c'est que même mes primeurs de base, eh bien, je fais ça avec une aiguille de 0,2. Alors il y en a peut-être qui vont me dire, ah ouais 0,2 c'est petit, ça sert à rien. Mais personnellement je me suis habitué à cette taille d'aiguille, même pour le primeur. Au final c'est quand je dilue ma peinture, ça me guide un petit peu. Parce que si je prends un gros truc, on ne sait pas trop où on en est, ça crache... grossier, donc ça couvre bien, mais le fait de travailler avec une aiguille 0,2, ça me permet d'avoir vraiment une bonne dilution et de bien pouvoir voir la fluidité en fait de la peinture. Moi ça paraît bête, mais c'est moi personnellement je fais comme ça. Donc après c'est vrai qu'il y a certains modèles, c'est mieux d'utiliser on va dire une aiguille entre 0,4 et 0,6 pour une peinture de primer. Donc ça c'est voilà, chacun fait ce qu'il veut. La petite plaque de mousse extrudée, j'utilise toujours ça pour les faire sécher, comme ça c'est planté et on continue à peindre nos roues. Voilà la peinture qui a bien tiré une fois sec. Donc je vous montre le résultat du noir. Donc franchement dans l'ensemble c'est... Pourtant je l'ai dilué un petit peu, vraiment un petit peu. Donc faut pas oublier de faire tourner les roues pendant que vous peignez. Vous mettez un petit coup avec votre doigt sur le côté et hop, vous faites tourner, vous peignez. Sinon, une fois sec forcément, vous allez vous retrouver avec une marque qui sera pas peinte tout simplement. Donc pensez juste à faire tourner les roues. Donc voilà, on a quand même vraiment un résultat qui est propre. Malgré que ça soit un noir, malgré que ça soit une couleur primer, faut essayer de l'appliquer correctement. Et donc voilà, maintenant... on va passer à la suite. Je commence toujours par le dessous du tank. Donc pour ça, je m'embête pas. Je trouve un petit pot ou quelque chose qui rentre à l'intérieur. Un petit peu de pâte à fixe. Et on va venir le coller tout simplement à l'intérieur.
ça va me permettre de pouvoir appliquer ma couche de primer noir en dessous et de pouvoir tourner. J'essaie toujours de m'arranger pour être vraiment à l'aise au niveau de la peinture. Donc voilà, là comme ça je peux peindre et je peux tourner en même temps la maquette. Idem pour la tourelle, on fait pareil pour la tourelle. Donc là j'ai eu de la chance, pour la tourelle j'ai trouvé un petit pot de chewing-gum et franchement ça va pile poil, ça me permet bien de travailler par le dessous. Je l'ai fixé avec un petit peu de pâte à fixe, mais franchement pour travailler en dessous c'est pas mal. Voilà le résultat, donc tout a été appliqué au noir et j'ai bien laissé sécher la peinture. Donc je vous montre rapidement le résultat sur la tourelle. Voilà, tout a été fait comme ça. Donc maintenant, nous allons passer au gris. Pour ce premier éclairci, donc on va faire un gris et donc le gris... Comme je vous disais au début, je fais mes propres mélanges, donc c'est pas du noir et du blanc, enfin en gros c'est ça, mais c'est du blanc avec du noir. Donc j'ai fait du goutte à goutte pour essayer de vous aider. Je vais vous montrer combien de gouttes je mets de peinture blanche et de noir et de gouttes de diluant pour avoir à peu près mon rendu de gris satisfaisant. Alors je vais commencer à mettre du thinner, donc le diluant pour peinture acrylique aérographe. Donc les doses, pour essayer de vous aider, je suis parti sur 3 gouttes de diluant, 2 et 3. Donc voilà, ça suffit largement, car comme je vous ai dit, c'est quand même préconisé pour que ça soit déjà dilué, mais j'en rajoute quand même 3. Je prends du blanc, on le remue bien pour bien homogénéiser les pigments. Je viens mettre 15 gouttes de blanc, environ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc je suis parti sur 15 gouttes de blanc pour 3 gouttes de diluant. Donc c'est vraiment pour vous aider que je fais ça. C'est voilà. Après, ça peut être aléatoire. Donc je vais commencer par 2 gouttes de noir. Donc je vais commencer à homogénéiser ma peinture en remuant avec un pinceau propre. Donc j'ai l'habitude d'utiliser le même pinceau pour faire ça. Je le nettoie régulièrement, donc il est très propre, avec un poil souple pour bien aller au fond de mon aérographe est bien remué. Alors là pour moi c'est encore un petit peu clair, ça se rapproche un peu trop du blanc, donc vu que je suis pas satisfait je vais rajouter une petite goutte de noir. Ouais, une goutte de noir tout simplement. On remue bien. Donc là voilà, la couleur commence à me satisfaire. Donc en gros, je suis parti pour 3 gouttes de diluant, 15 gouttes de blanc et 3 gouttes de noir.
Voilà, pour avoir mon gris, c'est fait. Alors maintenant, on va venir l'appliquer et je vais vous expliquer comment je fais pour l'appliquer sans avoir de mouchetis. Parce que là, maintenant, vu qu'on passe du noir à une couleur plus claire, c'est là où il faut faire attention parce que, en gros, la moindre erreur, ça va se voir. Surtout quand on va passer à la dernière étape, donc le troisième éclairci, le blanc. Donc, dans un premier temps, je crache un petit peu mon aérographe pour faire circuler les premières peintures qui sont restées au fond. Donc, comment je fais? Alors, ce que je fais, je travaille toujours donc perpendiculairement à la maquette. Donc à peu près à 15-20 cm de la maquette. Et quand je commence à actionner l'aérographe, on va dire de la gâchette, je le fais jamais dessus. On commence toujours à actionner l'aérographe, l'air de l'aérographe à côté. Alors pourquoi? Parce que si vous avez une goutte par exemple qui reste sur l'aérographe, au bout de l'aérographe et vous activez directement la gâchette, ça risque de vous faire une espèce de mouchetis, ça va cracher des gouttes. Donc on crache sur le côté, on actionne la gâchette sur le côté, on se met dessus à 15-20 cm et je commence à ouvrir ma gâchette légèrement avec des gestes circulaires jusqu'à temps que j'ai un rendu satisfait. Donc on commence à voir le gris qui s'applique. Donc il ne faut pas hésiter à cracher un petit peu à côté. Des fois, de temps en temps, hop, j'actionne l'air à côté et je viens appliquer sur ma tourelle. Je viens faire des gestes circulaires. Donc ça met le temps qu'il faut, hein. Mais au moins voilà, on voit que ça commence vraiment à se déposer. On commence à voir un premier éclairci. Donc après l'éclairci, c'est à vous de voir selon les goûts. Là par exemple, ce premier éclairci, un petit peu derrière, mais je commence à être satisfait. Donc un petit peu encore derrière. Voilà. Donc après c'est à vous de voir, hein. Je pourrais très bien faire les côtés, mais il n'y a pas de raison que mes côtés soient éclaircis alors que la lumière zénitale vient par le dessus. Après tout dépend de l'emplacement de votre char. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de mouchetis, il n'y a rien, c'est propre. Il faut vraiment penser à actionner la gâchette sur le côté avant d'engager directement dessus. Donc idem, vous faites la même opération pour le reste. Donc voilà le résultat, donc maintenant on va passer au blanc, donc la dernière étape ça va être du blanc. Donc le blanc, alors là on va travailler hyper dilué, donc faut vraiment, la dilution c'est compliqué, je pense que je dois être à 4 gouttes pour 10 gouttes, un truc comme ça. Donc faut pas que ça soit non plus trop dilué, sinon ça va se finir en flotte. Et là on va travailler beaucoup plus près sur la maquette. Donc je vais vous montrer, là je suis plus à 15 ou 20 cm. Le but c'est de faire vraiment les dernières éclaircies. Donc par exemple je vais éclairer les trappes, le dessus des trappes, il va y avoir un petit peu sur le dessus du canon. Donc c'est le même procédé que pour le gris, je vais d'abord cracher l'air sur le côté et me mettre au dessus de ma tourelle et engager. Donc voilà, de près, et voilà, vous voyez, ça commence à s'éclaircir. Du coup, ça crache pas du blanc, parce que les points blancs, si ça part, là, ça se voit. Donc, je continue. J'applique un petit peu ici. Et le fait qu'elle soit hyper diluée, quand elle sèche, voilà, ça se concentre vraiment au milieu de là où on vise, quoi. En gros, c'est ça. Donc, après, c'est à vous de voir comment vous voulez éclaircir votre maquette. Alors la lumière zénitale, ça sert pas non plus qu'à se dire « Ah bah tiens, c'est clair, puis après on peint par-dessus, on recouvre tout. » Ça me permet d'anticiper aussi par la suite, de savoir où est-ce que j'aurai mes éclaircies. Car ça va se voir, vous verrez après sur les prochaines étapes, ça se verra un petit peu. Surtout le blanc, ça va se voir en dessous de la peinture de base. Donc je continue un petit peu à éclaircir, donc toujours pareil. Cracher un petit peu des fois à côté. Ensuite, on actionne l'air et je viens l'ouvrir. Donc le fait que ça soit dilué, voilà. Un petit peu sur le dessus du canon. Donc, voilà, après,
Voilà, ici, on va éclaircir. Voilà, jusqu'à temps que vous soyez satisfait de votre éclaircie. On travaille beaucoup plus près, hein. Je dois être peut-être, je sais pas, peut-être à 4 cm, 5 cm. Donc voilà, même opération sur le reste du tank. Donc peut-être un peu plus derrière, mais encore, quoique. Là, on a vraiment, on a quand même un bel éclairci de, en primeur de base. C'est largement satisfaisant. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous aider pour les couches de primeur de base avec les éclaircies. Donc je suis plutôt content du résultat. Bon, après, il faut savoir que selon les primeurs, ce que vous allez faire par la suite en vieillissement, c'est pas forcément du noir, du blanc. Hein. Mais là, c'est pour le Sherman, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc voilà, je tenais aussi à remercier tous les abonnés. Là, on est de plus en plus, donc c'est cool. Il y a des personnes qui s'intéressent au sujet. Donc voilà, on approche des 300, c'est plutôt pas mal. Ça va faire 2 mois et une semaine, je crois, un peu, que j'ai repris la chaîne. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans de ça. Donc là, j'ai trouvé le moyen de filmer un peu mieux. Donc du coup, tant que je peux partager, eh ben, j'en profite. Je le fais. Donc voilà. À très bientôt les amis. Ciao.